Allez, on se fait des petites révisions pour l'anglais, puisque malgré tout, on aura sûrement le niveau A1 à passer. Donc c'est parti, hein. On a parlé des lettres, de l'alphabet, des chiffres, et puis des jours aussi de la semaine. You got someone to blame, you say... Vous vous souvenez, il y a la petite chanson qui dit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now you know your alphabet. Next time you can sing with me. D'accord, juste faire attention, on avait dit J et G qui sont l'inverse du français, puisque J c'est J et G c'est J. Attention, celle de la fin, X, Y, Z. Des petites lettres comme ça, H, voilà. Parce que vous savez que vous aurez de toute façon un mot ou deux mots même à épeler, comme chaque année. On leave a bad taste in your mouth. Les jours de la semaine, c'est facile, rappelez-vous. Ils finissent tous par day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ensuite, on met le numéro du jour, mais avec soit ST, ND ou RD pour les trois premiers. Parce que first, second, third. Et TH pour tous les autres. Et puis ensuite, on met le nom du mois. Et cela, on l'a aussi déjà revu. Les nombres, ben, pareil, à partir du moment où on a compris comment ça marche, ça va, c'est plus facile. Donc rappelez-vous le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20. C'est important de les savoir parce qu'après, surtout à partir de 13, vous savez qu'on dit plus teen mais ti. Donc après, ça recommence puisqu'on sait que 20 c'est 20. 21, 22, 23, etc. C'est 29. 30. 13 c'était 13. 30 c'est 30. 31, 32, 33, etc. 40. 41, 42, 43, 49. 50. 60. 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, et après c'est 100, il recommence, 101, 102, etc. Jusqu'à 999 si vous avez compris.